Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà dans mon régras. Ce régras, on vient de prendre la décision de l'ensiler. Pourquoi ce régras? On a pris la décision de l'ensiler parce qu'hier et avant-hier, on a eu 15 mm de pluie. Aujourd'hui, on a un temps à peu près beau. On est en train de planter des tomates d'ailleurs. Tout le reste de la semaine, il annonce pourri. Mon régras, lui, il est à maturité. Il commence même à se coucher. Et la semaine prochaine, après la pluie, c'est Arnaud qui va s'en occuper. Et il sera overbooké parce que il aura énormément de foin à faire. C'est pourquoi on a décidé de l'ensiler pour gagner un petit peu du temps sur la fenaison. Et ce régras, donc, il va partir dans un méthaniseur pour créer du biogaz. Voilà, quand je vous dis que ça commence à se coucher, ça commence à se coucher. Malheureusement. L'ensileuse et les tracteurs sont sur le point d'arriver. Donc ce que je fais, moi j'enlève les quelques tuyaux qui étaient au bord, vu que je l'ai irrigué, histoire qu'il n'y ait pas de soucis techniques. Et c'est parti pour l'ensilage. Alors ça y est, me voilà dans l'ensileuse, on est en train de détourer la parcelle. Les hirondelles sont de sortie. Il doit y avoir des insectes. Alors moi j'ai rarement fait de l'ensileuse dans ma vie, mais c'est quand même assez impressionnant. Je vais vous faire voir de l'extérieur la gueule que ça fait. C'est propre une fois passé quand même. Et
là maintenant je suis dans le 933 Black avec Christopher, gros entrepreneur de Marsan. Épais le régra et bien couché. Ça l'occupe la titine là. Ça l'occupe la titine à Bruno. Et pas aux 9 km/h qu'il nous avait prévu. Bon voilà, je voulais vous montrer un chantier un petit peu original que moi-même je ne connais pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!